fondateur de l'entreprise Max, Placide Poulin est aujourd'hui président du Holding financier Camada et redonne à la société par ses implications humaines et financières dans plusieurs causes, ainsi qu'en étant conférencier d'affaires et auteur du livre « Le périple d'un gagnant ». Né à Saint-Jules, en Beauce, le 13 janvier 1938, Placide Poulin est jumeau dans une famille de 6 enfants. Il déménage à Tring Junction avec sa famille à l'âge de 4 ans et demi. Après ses études, il se démarque dans plusieurs entreprises. Mais son incroyable histoire commence à l'âge de 28 ans, lorsqu'il fonde sa première entreprise, LBP Plastique. Cet homme d'affaires accompli devra traverser d'innombrables épreuves pour réaliser son rêve, celui de devenir un géant industriel. J'ai travaillé 10 ans à la Carré Canadian Mine comme en charge du laboratoire. Il voyait que j'avais beaucoup de leaders, si vous voulez. Alors, j'avais beaucoup de responsabilités, mais je ne me réalisais pas. J'avais en moi l'idée, le rêve de devenir un entrepreneur, d'avoir ma propre entreprise. Alors, j'ai quitté après 10 ans la Carré Canadian Mine et nous avons fondé la compagnie LBP Plastic Incorporé. Alors, on était 3 actionnaires, Carole Brousseau, Bertrand Champagne qui était maire et moi qui étais conseiller à ce moment-là de la municipalité de Tring-Jonction. Alors, avec un monsieur de Vio de Lavalterie qui fabriquait des piscines en fibre de verre à Montréal pour Lavalterie. Alors, nous, on a commencé ici. On a la municipalité de Tring, par son conseil municipal, a bâti une usine de 20 000 pieds carrés. C'est le syndicat industriel à ce moment-là, 20 000 pieds carrés que nous avons loué, nous, au départ. Je me rappelle quand on a fait l'inauguration, les gens étaient tellement fiers d'avoir une entreprise nouvelle. Il y avait la Placo avant Tring, d'avoir LBP Plastique qui partait. Alors, on partait dans la piscine en fibre de verre. 12 pieds par 30, 16, 38. Alors, c'était quand même des grosses pièces, des monocoques en fibre de verre. On était quand même le deuxième fabricant au Québec en piscine. C'était pas évident le matin. Faire les moules de ça, démouler ça. J'étais allé à la Lavalterie apprendre pendant un mois comment faire du fibre de verre avec 5-6 employés qu'on avait embauchés au départ. Les commandes étaient là, dans la piscine. C'était nouveau, mais quand même, on vendait les piscines. Il fallait les creuser, les installer. Et aussi, il y avait également une demande extraordinaire pour fabriquer des cabines d'autoneige pour Bombardier, pour Snowjet, Bowski, Snow Prince. Il y en avait une dizaine et il manquait de fournisseurs. Alors, on a embauché plusieurs employés et on avait presque 100 employés, mais pas d'expérience en manufacturing. Alors, on a eu des problèmes de qualité, beaucoup. Et comme tout employé, entrepreneur, pour moi, dire « paye-moi donc d'avance, on n'a pas d'argent », j'avais les comptes recevables, puis la banque qui nous appelait à tous les jours, alors c'était pas évident, hein? Alors, problème de qualité, après un an et demi, on a été obligé de remettre nos actions à un groupe de Tatford Mines. Alors, pour moi, là, c'était un échec, c'est sûr que c'était un échec. Alors, on s'en va chez nous, je devais 28 000 piastres à la banque. Puis là, Pierrette me dit qu'on aurait dû rester à la Carré Canadian Mine. On avait de la sécurité, on avait un bon salaire, mais je ne pouvais pas payer une dette puis effacer ça en travaillant la journée. Alors, il fallait que je reparte en affaires. Mais j'avais appris quand même. J'avais appris à travers tout ça. Alors, si tu t'en vas chez vous, là, puis tu n'as pas de chômage, on n'avait pas, tu n'as pas de salaire, tu as 3 enfants, tu n'as pas une scène. Puis là, je suis comme au mois de novembre, là, quand ça, tout ça est arrivé. J'avais 2 pièces pour passer Noël avec toute la famille. Puis là, j'ai dit à Bertrand Champagne puis Carole Brousseau, qui avaient été mes partenaires, on n'a pas le choix de repartir. Mais comment on peut repartir? Il ne faut pas se décourager. Alors, j'avais emprunté de mon beau-père 500 $ pour être capable de manger. Hein, puis il m'avait dit, Placide, faut que tu me le remettes aussi. Là, hein. Puis j'avais emprunté 3 000 $ de ma belle-sœur, 3 000 $ de mon oncle. Alors, il faut vivre quand même. Alors ça avait été... Je dirais que malgré tout ce malheur qui nous arrivait, là, on était quand même heureux, puis on était unis. Puis Pierrette me soutenait dans cette épreuve-là qui n'était pas facile. Là. Puis je me rappelle, dans cette période-là, on n'a vraiment pas d'argent. Là. Le beau-frère, mon beau-frère, qui faisait son enterrement de vie de jeunesse, ça coûtait 2 $ pour y aller, puis on est resté à la maison. Là. On n'avait pas une scène pour y aller. Là. Puis tu sais qu'on... Vous pouvez vous dire que l'épicerie, on la calculait, hein? Puis on allait couper le bois pour faire le chauffage. On faisait ça, là. Avec Bertrand Champagne, on allait couper notre bois. On avait passé Noël ensemble, quand même.
pas d'argent, mais on s'aimait. Alors, j'ai dit, garde, on va se repartir. Puis il y avait des saisies qui rentraient à la maison. Puis c'était pas évident, là. Puis la banque qui m'appelait, puis quand est-ce qu'il va nous payer, je disais, garde, je suis honnête, je vais te payer, mais je sais pas quand. Il faut que j'ai besoin de temps. Alors, on a reparti à ce moment-là. On a formé, en 1970, début de 1970, la compagnie Modern Fiberglass and Metal Incorporated. Alors, avec les trois actionnaires que je viens de vous mentionner, là, ça me prenait une hypothèque sur ma maison, 5 000 endossée par mon père et mon frère. Alors, c'est pour vous dire que c'était pas facile. Et Pierrette était ma secrétaire. On faisait des expositions à travers le Canada et les États-Unis pour vendre des carrioles de tonnage. On avait reparti. Et on avait fait l'achat d'une ancienne meunerie à Trinjonction pour pas cher à ce moment-là, parce qu'elle était vide. Alors, on faisait le métal, et je peux vous dire que le petit camion qu'on transportait, on appelait ça Mitor, là, le pipe de chauffage à l'intérieur qui passait, là, c'était le chauffage du camion, là, pour vous dire que c'était pas riche. Là. Puis on travaillait 100 heures par semaine. Là. Mais là, j'avais appris que j'avais pas d'argent. Et moi, vendre quelque chose, là, je leur disais, garde, nous, on n'a pas d'argent, il faut que tu me payes même avant de produire. Ça, j'avais appris ça. Alors, pour moi, je vendais, je faisais des cabines de tonnage pour Snowjet. Puis je disais, peux-tu m'avancer de l'argent pour tes produits? C'était rare, on ne faisait pas ça, là. Mais moi, j'avais appris que je n'avais pas d'argent. J'avais réembauché les meilleures personnes qu'il y avait chez LBP Plastique, ceux qui avaient la plus de compétences et d'expérience. J'avais une excellente... J'avais 20 employés, très, très, très bons. Mais là, disons qu'on fabriquait également des carrioles de tonnage et tout le métal, les skis, les frames et toutes ces choses-là. Et nos bureaux étaient, les bureaux de la compagnie étaient à cette ancienne meunerie-là. Et un splash en soudure a fait éclater un feu. Puis on avait une vanne de carrioles toutes prêtes, loadées, toutes prêtes, une centaine de carrioles qu'on chupait par voyage, qui s'en allaient à Minneapolis au Minnesota. Et le feu éclate et tout brûle. Perte totale. Alors, je peux vous dire que là, on était découragés. Hein? Puis, j'avais pas d'assurance, là. Le lendemain matin, là, je ramassais les pièces de métal dans le feu, là. On n'avait pas une scène. Incroyable, là. Là, c'est vraiment le désastre. Fait que là, j'ai dit, ouais, faut rebâtir. Ça nous prend 5 000 pieds pour faire le métal puis continuer à faire les carrioles de tonnage. Fait que je suis allé à la Caisse populaire Saint-Frédéric demander un emprunt de 25 000 $. Alors, on m'a refusé. Et on m'offrait 15 000 $. Mais je ne pouvais pas partir 5 000 pieds avec 25 000 $. Alors, j'avais sorti ce soir du conseil d'administration de la caisse, pas trop de bonne humeur. Mais là, je dis, Placide, tu vas passer pareil. Alors, le lendemain matin, je vais voir le curé et je dis, garde, on va faire une corvée. Si les gens annoncent ça en chaire, le dimanche, je vais faire une corvée. Puis si les gens sont généreux, on peut peut-être bâtir quand même. Mais c'était bon pour Tring. Il y avait une entreprise quand même qui naissait, là. Il fallait qu'ils aident aussi. Là. Il y avait quand même 20 pères de famille qui travaillaient pour nous autres. Là. Alors, on a fait une corvée et on a bâti l'usine, puis très modeste, là, quand même pour 12 500 $. Puis on avait eu un prêt à la caisse de 15 000 $. Alors, si on tombe à la première pierre pour moi, puis ici, on voit même, c'est un obstacle qui était majeur pour nous autres, il faut se battre. Il faut se relever, puis on a dit, on va passer quand même pareil. En 1973, en raison des nouvelles règles de francisation du gouvernement du Québec, Modern Fiberglass and Metal Incorporated devient Fibre de verre moderne. Puis moi, j'étais toujours un gars optimiste. Je me laissais pas abattre. Regarde, là, c'est pas facile, mais on va passer quand même. Puis les bonnes choses se mettaient en place pour qu'on puisse réaliser notre objectif. Alors, on a bâti. On a continué à faire des carrioles de tonnage et on avait beaucoup de demandes. Là. J'ai passé, mettons, à 20 employés, à 30 employés, à 35 employés. Et là, je faisais aussi des devants de roulottes de Glendale, de Saint-Joseph-de-Beauce. Et là, on a acheté l'ancienne meunerie à Saint-Jules qui appartenait aux Vermettes. On a acheté ça pour 25 000 $ à ce moment-là. Puis, on fabriquait, bon, c'était plein. On avait encore beaucoup de contrats. Et une évaporation de stérine a fait, comme le Mézi, a mis le feu et tout a brûlé. Puis là encore, pas d'assurance. Le peintre dépose son pistolet à peinture, une étincelle, des produits chimiques. Voyez le résultat. La fumée est très dense parce que du fibre de verre, ça brûle. 2 heures plus tard, il ne reste plus qu'à abattre ce qui est encore debout. Dur à accepter pour les propriétaires. Faut pas trop le regarder. Ça fait mal au cœur. Alors, je peux vous dire que j'étais revenu à la maison, là, en pleurant. Là, j'ai dit à Pierrette, c'est fini.
C'est fini, là. C'est fini. Là, on arrête. C'est fini. C'était trop, là. Deux feux, tout brûlé, puis pas d'assurance. Puis Bertrand Champagne, il me dit... Là, je dis à Bertrand, moi, c'est fini, là. On abandonne tout ça, c'est fini. Tu sais, quand tu t'acharnes des fois à vouloir, puis je me dis... Mon rêve, qui était d'avoir ma propre entreprise, c'était tout ça. C'est tout ça. Je vais-tu réussir un jour à dire, ben là, puis Pierrette, qui était... Puis les enfants, tu sais, j'ai une famille... puis prétendre qu'on va réussir un jour, mais il y a toujours des embûches, puis des embûches. Fait que le lendemain matin, Bertrand Champagne dit, « Placide, tu as toujours été optimiste, je comprends pas que tu sois découragé. » Ben j'ai dit, « Bertrand, là, regarde, on n'a plus de maudite scène, là. On n'a plus rien. On vient de perdre 200 000 piastres, là. C'est fini, on n'a même pas l'argent pour payer. » Il dit, « Placide, m'a dit une chose. Il y a 20 pères de famille en arrière de toi, là. Que demain matin, si t'arrêtes, eux autres sont dans le chemin. Pense à ça avant de prendre une décision. » Ça, ça m'a fait réfléchir. Tu sais, il y a des employés qui travaillent pour toi, qui bâtissent leur vie pour toi. Ben, j'ai dit, Placide, t'as pas le choix, faut que tu continues. Fait que là, on a refait, on a bâti, on est allé, on a obtenu un emprunt. Alors là, elle nous a fait un prêt, je ne me rappelle plus de quelle grosseur, mais on a pu rebâtir à peu près une vingtaine de mille pieds carrés à Trinque Jonction. Et là, là on a ça a bien été. Là. Après trois ans, j'avais payé ma dette de 28 000, si tu veux, que je devais à la banque. Et on avait à peu près une quarantaine d'employés à Trinque-Jonction. Et on fabriquait des cabines d'autoneige, on fabriquait des carrioles, on fabriquait des piscines. Et je pourrais vous dire, là, que... En 1972, un autre événement qui est arrivé majeur, il y a eu le crash de l'autoneige. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y avait Boaski, Snow, Prince Snow, Jet, Motoski, il y en avait 15 compagnies. Il y en a resté une, Bombardier. Alors, toutes les autres, ça a presque fait toute faillite. Et moi, je fabriquais des cabines pour Snow Jet, Snow Prince, Boaski, ces choses-là. Alors, demain matin, plus de contrat. Zéro contrat. Là, je fais quoi? Alors, c'est en 72, là. Ça faisait deux ans là, que j'étais parti, là. Ça était encore un coup dur. Ben là, j'ai dit encore, ce ne sera pas à battre. Là, je suis parti, je suis allé en Californie pour voir qu'est-ce qu'on fabriquait en fibre de verre. Et c'est là que j'ai vu qu'on fabriquait des bains et des douches. On commençait en fibre de verre. Et je suis revenu ici, on a commencé à fabriquer des douches en fibre de verre. C'est là vraiment que le rêve d'être dans les salles de bain, les baignoires, les douches, a commencé. Voyez-vous que ça prenait peut-être des événements comme ça qui arrivent pour permettre de produire des douches en fibre de verre. Alors, on a commencé là. Et là, on a commencé à fabriquer des douches, tranquillement. Une douche, cinq douches, huit douches. J'allais vendre ça. J'ai fait la province de Québec, tous les plombiers. Je les connais toutes. À vendre une douche, deux douches, une douche, deux douches, une douche, deux douches. En consignation, non, puis je revenais avec l'argent, puis j'en fabriquais deux autres. Ça a été ça, le début, là. Ça a pris cinq ans. Avec un distributeur me dise, oui, Placide, on va prendre ton produit. Parce qu'il n'était pas créé, la demande n'était pas créée, il fallait la créer. Avant, il y avait la douche en acier qui rouillait. Les gens payaient ça 59 piastres, mais c'était tout rouillé dans le bas. Une petite douche, 32 pouces carrés. Nous, on a fait des douches plusieurs grandeurs, 32, 36 pouces carrés, mais en fibre de verre qui rouillait pas et qui avait une multitude de couleurs. Les gens adoraient ça, mais on les vendait 118 piastres. Alors, c'était beaucoup plus élevé. Alors, il fallait faire comprendre aux gens que c'était quasiment à vie, une douche en fibre de verre, ça rouillait pas, avec une multitude de couleurs. Et là, ça commençait à progresser. Et en 1978, on avait des distributeurs qui achetaient au Troclaude, si vous voulez, les bains et les douches. Et là, on avait, en 73, ajouté un autre actionnaire dans la compagnie et on était, à ce moment-là, quatre actionnaires égal à 25 %. En 1983, il investit dans les systèmes Archimède. Il s'agit d'un concept de maison sur pilotis pouvant s'adapter à plusieurs configurations de terrain. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il y avait Jacques Poirier, qui était un designer, architecte, m'avait convaincu que ça pouvait être un projet d'avenir. C'est des maisons sur piliers qui pouvaient se bâtir dans les escarpements, un peu partout, pour villégiature, ces choses-là. J'ai cru à son projet. Je l'ai aidé. J'avais investi 50 000 $ à cette époque-là. Ils ont eu un projet malheureux, si vous voulez, avec la France. Ils avaient rajouté d'autres partenaires avec nous autres. Et ils ont livré des containers. Ils n'ont pas été payés. La compagnie a fait faillite. Et nous avions racheté par la suite, nous, les containers et les modules qu'il y avait là. Alors, c'était, pour moi,
une mauvaise expérience de vie. Ça a duré à peu près peut-être 2-3 ans, cette chose-là, puis peut-être 4 ans après qu'on l'a eu. Entre 1978 et 1985, Placide achète les parts de 2 coactionnaires, Clément Nollet et Carole Brousseau. Alors, j'ai acheté Carole et Clément Nollet, moi, j'ai dit à un moment donné, l'acrylique s'en vient, faudrait être dans ça, faudrait acheter des thermos. Lui, il dit, moi, Placide, je suis rendu à 60 et quelques années. Moi, je veux plus être dans ça. Je te laisse aller, Placide, t'as un rêve d'aller plus grand. Fait que j'ai dit, c'est correct. Alors, en 86, j'ai acheté, en 85, j'ai acheté Clément Nollet. Et en 86, on faisait 6 millions de chiffre d'affaires. C'était quand même une petite entreprise rentable. On faisait 800 000 piastres de profit par année. Alors, l'entreprise, là, c'était excellent, c'était bien géré. On avait un beau réseau de distribution à travers le Québec, l'Ontario et les Maritimes. Et Bertrand Champagne, qui était avec moi, était surtout orienté production, mais production, tout ce qu'il y avait, c'était un ingénieux au niveau d'équipement et toutes ces choses-là. Alors, je lui dis un matin, j'avais acheté ici à Sainte-Marie un plan d'acrylique, bien, pas un plan d'acrylique, j'avais acheté la bâtisse de Rock Auto Spring à Sainte-Marie, qui avait à peu près, je sais pas, un garage de 80 pieds carrés, quelque chose comme ça. Puis je voyais Catherine, puis là, avant ça, là, un autre petit problème qui était arrivé. On a eu une grève à Tring-Jonction, une grève de fibres de verre moderne. Alors ça, ça m'a fait mal. Parce qu'on avait quand même, je sais pas moi, tout près de 100 employés à Tring. Et on a eu une grève à ce moment-là. Les employés, ça a duré pendant 3 mois. L'usine fermée. J'avais un client qui s'appelait aux États-Unis Grossman Enterprise, qui était le seul fournisseur, 200 magasins. Alors, j'étais plus capable de fournir. Il appelait le gouvernement quand est-ce que ça pouvait se régler, parce qu'eux autres avaient des commandes, et moi, j'étais pas capable de le fournir. Alors, ça a été un moment difficile dans ma vie, et ça m'a amené à prendre une décision. Parce que j'aurais peut-être bâti l'usine d'acrylique à Tring-Jonction. Mais quand ça s'est arrivé, là, pas tellement blessé à l'intérieur. Que je trouvais que j'étais un père de famille pour l'ensemble des employés. Puis là, il peinturait les trocs. C'était incroyable ce qu'on a vécu là. Pendant 3 mois, il venait chez nous avec des têtes de cochon, là. Pierrette m'appelle, puis elle me dit, Placide, je ne peux plus tarder ça, je dis, garde, là. Ça va être fini demain matin, la maison est à vendre. C'était une grosse décision pour moi. J'ai quitté Tring, puis on a acheté à Sainte-Marie, Rock Auto Spring, et c'est là qu'Acrylica a commencé et qui a grandi. Ce que vous voyez aujourd'hui, Max, Acrylica, c'était le départ, là, ici à Sainte-Marie. Comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, l'extraordinaire histoire de Placide Poulain ne se termine pas ici. Vous connaîtrez la suite dans le prochain épisode de C'est ça la vie.